À la recherche de l'essentiel, le livre des vivants de la part de Jésus de Nazareth. Un instrument de mesure, l'accueil du clochard à ma table. À partir de « Quand tu offres un festin, invite ceux qui ne pourront pas te le rendre ». Est-ce bien ce que je fais ? Quand me déciderai-je à obéir à cette injonction précise de Jésus ? De recevoir n'importe qui à ma table, sans considération de personne, au mépris du qu'en dira-t-on, allant par les temps qui courent, jusqu'à prendre le risque d'en être victime si par hasard l'idée lui vient de me déposséder ou de faire du mal à l'un des miens. Suis-je prêt, lorsque je donnerai ma prochaine fête, à me mettre en chasse de ce pauvre, mon frère, celui-là même que Jésus me dit être lui ? Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Demain, aujourd'hui, tout à l'heure, tout de suite. Force m'est bien de répondre, certainement pas. Que me faut-il donc faire? La réponse me vient toute simple. Entraîne-toi, jusqu'à ce que tu sois en état d'entendre ce que Jésus te dit. C'est ce que fit Charles de Foucault après sa conversion, pour vérifier qu'il était capable d'entrer au monastère. Ainsi m'appliquerai-je déjà à partager dès aujourd'hui mon sourire, ma présence, mon écoute, en attendant ce jour qui viendra, j'espère, où je serai capable de regarder quiconque, quelle que soit son apparence, comme mon vrai frère ou ma vraie sœur, ce pauvre que moi, le riche, je crains de recevoir à ma table. À la semaine prochaine, fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.